Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oya lo kreye, oya lo kreye, oya lo kreye, oya lo kreye. Thank you.
Et maintenant, prions le Seigneur, faisant monter vers lui toutes nos préoccupations en ce temps d'épreuve. Prions le Seigneur. Sera pour vous un mémorial. Vous
Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une joie perpétuelle d'âge en âge pour la fêter. Parole du Seigneur. Santa Lena,
avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu peux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprends. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se mit à table. Il leur dit encore, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Adianta vinifenta de bambusu. Bien que restreinte cette année 2020, nous
nous introduise dans ce que l'on appelle le Trium Pascal, c'est-à-dire les trois jours qui marquent la fin du carême chrétien. L'objectif de ces trois jours est de mieux encore plonger dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, premier jour de ce Trium Pascal, l'Église célèbre trois grands mystères qu'il ne faut jamais séparer. Le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la charité fraternelle, le mystère du sacerdoce ministériel. Le premier grand mystère que nous célébrons ce soir, c'est le mystère de l'Eucharistie. Le repas de la scène est devenu le sacrement par excellence, mais cela n'a rien de surprenant. C'est de là que tout prend origine, et c'est là tout se produit pour le disciple. Tous les dimanches, nous nous réunissons pour célébrer l'Eucharistie. Ce mystère est si riche que l'Église nous le présente comme la source, le centre et le sommet de toute la vie chrétienne. Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. Il nous invite à nous nourrir de cette présence. L'Eucharistie est la nourriture essentielle de notre vie. Le Saint-Curé d'Asse disait, vous n'en avez pas dit, mais vous en avez besoin. Puis nous en avons besoin. Nous appartient alors d'en tirer les conséquences concrètes, puisque nous n'en sommes pas dignes. Nous affirmons que nous sommes unis dans le Christ. Mais si nous passons nos journées sans nous saluer, sans nous regarder, sans nous parler, et surtout sans nous entraîner, il y a là un contre-sens. Certains ne se gênent pas pour le dire, aller à la messe et critiquer les autres à la sortie, c'est un scandale. L'Eucharistie exige plus qu'une vague unité spirituelle. Il faut aussi que les solitudes soient brisées et que chacun fasse vraiment l'effort d'aller à la rencontre des autres. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. On ne marche pas vraiment l'Eucharistie quand on reste indifférent à ceux qui sont à la même table. Moi, je suis chrétien. Tu as fait du lien à l'Ouane. Bien ne fait qu'un qui a le FMS, qui s'est le billet, qui est un peu réel de mon Dieu. Nous sommes tous les deux, qui ont été au pas. Qui baisse le billet, qui est le billet, qui est le billet, qui est le billet, qui est le Délois pour la haba, tu rafetal diganté ak morom, diganté itam ak bindakat. Donc, nous sommes tous les 10 pour mettre, qui est venu à la messe, qui est venu à la communion, ak hedde, qui est venu à la confession. Nous fatigué pour le bar, tu as fait la pierre à l'église. Il a dit que tu es le cas où tu n'as pas de famille et de décès qui vont au cas. Batial est le mort d'Israël, il est contre la garde, n'a que la gloire à combler les gens de Pâques. Thérémine n'a pas de bien voir que n'est que réuni, ben le bout. Gourtoumana, ben le bout. Salmo Salamitira, Salmo Bindalani, Yesu
Dieu est le Dieu de la vie. Chers fidèles chrétiens, l'Eucharistie que nous prêtres célébrons chaque jour dans l'intimité de nos oratoires et le sacrement de l'amour s'emborne pour vous et pour nous en cette période de traversée du désert. Cette période difficile ne peut pas altérer notre faim du corps de Christ ni notre soif du sang de Christ. Elle ne peut ni maquiller la parole de Dieu dans notre vie, ni édulcorer notre amour pour le Christ et pour les hommes. Par conséquent, même dans l'angoisse d'une situation terrorisante, laissons ce soir entrer en nous la grâce invisible du sacrement de la Coupe Eucharistique qui nous permet, en communion avec le Christ, de faire de nos humbles vies un sacrifice d'agréable odeur. Le deuxième grand mystère que nous célébrons en ce jeudi saint, c'est le mystère de la charité fraternelle. Jésus donne son corps à manger dans l'évangile, mais il invite aussi au service fraternel. Saint Bernard, parlant de la célébration de la scène du Seigneur et de lavement des pieds, n'a pas manqué de qualifier ces deux gestes de sacrement sans pour autant faire du lavement des pieds un des sept sacrements. Avec Jésus, les valeurs sont prévestes, les tranquillités, les aisances, les conforts habituels sont dérangés. Les maîtres doivent désormais laver les pieds des esclaves, les présidents les pieds de leurs concitoyens. Les chefs, les pieds de ceux qui le sont sous. C'est le royaume nouveau où le maître monde est service. Et si Jésus a osé s'abaisser jusqu'à la mort sur la croix, cela veut dire que le service n'est pas humiliant. Cela veut dire aussi que l'amour des ennemis n'est pas impossible. Cela veut dire enfin que la charité fraternelle est un chemin de sanctification. Cette charité entre nous se développe et se fortifie dans la vie eucharistique. Une pensée disait, à quoi c'est la religion si Dieu ne conduit pas au prochain? À quoi c'est la religion si la prière ne conduit pas à l'amour? Et enfin, à quoi c'est la religion si l'Eucharistie ne conduit pas au partage? Wana ubegedor talibi Yesu tanga wara fam ci bëgg né bu sa morom ñu dira assalam te tam lolu la ñu jëmantal ka bi yebal tay rahas sa tam ci morom modi am yema yek né lolé doon loxo wala tam bi koy jappalé suñu ci ci jafé jafé Adnesi de Fadjahasso, Nekchi Métit, Yalde Yébalne, Nekchi Nour, Moudor, Kadisaha Tchofé, Yémane, Nakia. En nous demandant de faire comme lui, dit le pape François, Jésus nous invite à prier les uns pour les autres, afin que nous sachions nous pardonner mutuellement. Disposition à rendre service, mais aussi disposition à accueillir le service. Il n'a-t-il pas dit à Jésus, tu ne me laveras les pieds, tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. La religion, c'est Dieu qui lave les pieds et les mains des hommes en ces temps difficiles. La religion, c'est la prière qui inspire l'action du lavement des pieds. La religion, c'est enfin le lieu du partage fraternel. Le troisième grand mystère que nous célébrons en ce premier jour du triduum pascal
C'est le mystère du sacerdoce ministériel. Le sacerdoce, c'est un changement de propriété. C'est être enlevé du monde et donné à Dieu, disait Benoît XVI. En cette fête du sacerdoce, cher confrère, où que tu puisses être, laisse retentir en toi ces paroles du pape François. Le prêtre qui ne sort pas de lui-même, au lieu d'être un médiateur, se convertit peu à peu en intermédiaire, en gestionnaire. Nous connaissons tous, poursuit le pape, la différence. L'intermédiaire et le gestionnaire ont déjà reçu la récompense. Et comme il ne paie pas lui-même, ni de l'épée, il ne reçoit pas non plus un merci affectueux qui vient du cœur. De là provient précisément cette insatisfaction. C'est chez certains qui finissent par être tristes, des prêtres tristes et convertis en collectionneurs d'antiquités ou de nouveautés, au lieu d'être des pasteurs pénétrés de l'œil de leur brûle. Cela, je vous le demande, n'insiste ne pas. Soyez des pasteurs avec l'œil de leur brûle. Que celle-ci se sente. Au lieu d'être des pasteurs au milieu de leur propre troupeau, des pécheurs d'hommes. Pendant quelques semaines, il y en a un soixante sacrements de la civile. Nehme Jésus sacrement de l'ordre de vie. Pour mon fête de Jambi, mon appel à Galitam, il y a maintenant un homme et Jésus Tambi, Nikilam. Il y a tout le bien tenu à sacrement. Dignan, qui s'est le camp. Il est Dieu dans le mariage, il est confessé. Ce sacrement, le Père Sémi Amour, on l'a mis en belle tête. Cher confrère, où que tu puisses être, je reviens à toi pour découvrir avec toi ces quelques paroles de cette grande dame du service du prochain, qui est nommée Sainte Thérèse de Calcutta. Elle disait en gros, si tu juges les gens, tu n'auras pas le temps de les aimer. Certaines personnes entrent dans ta vie en tant que bénédiction, d'autres en tant que leçon. Transmets de l'amour partout où tu vas. La paix commence par un sourire. Frères et sœurs, amis croyants, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, geste de service, geste de communion, de pardon mutuel, geste de coexistence. Que Jésus lave donc ton corps de toute maladie, de tout péché. Nos corps sont précieux car ils sont temples de l'Esprit Saint. Que Jésus sanctifie nos corps et les dispose au service fraternel, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Entends la prière de l'Église rassemblée.
ce soir, par l'amour de ton Fils, dans ta miséricorde, sanctifie les prêtres, accorde à tout homme l'espérance de la vraie vie et accorde à l'humanité la guérison qu'elle te demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gode damo te balborum vichel moru Dam patte uto nom, dam pat potino fom Gode damo te balborum vichel moru Dam patte uto nom, dam pat potino fom Summa bakan kendu kutel, wande mago ito
quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ooh.
pour dire ensemble la prière que nous avons reçu du Sauveur.
le Seigneur nous garde dans la communion avec lui, dans la communion de son nom. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés. Ne regarde pas les péchés du monde entier, mais regarde la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est jeudi. Chers auditeurs, chers amis qui nous suivent, que la paix du Christ emplisse vos cœurs, vos maisons, vos foyers. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Umbalo donge na wanda patate ak na mémoire de Seigneur, qui nous a rempli.
Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant,
en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis qui êtes en communion avec nous, les pères qui sont ici vont adorer quelques instants le Saint-Sacrement pour vous. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui en groupe, comme d'habitude, dans les églises. Nous le faisons pour vous. N'empêche, comme le curé l'a dit, vous pouvez prendre demain des moments personnels, pas en foule, pour venir adorer le Seigneur dans le silence, dans cette église. Bokkayi, l'abbaye Finek, nous djel abdir, djabu Christa, andab yen tisen khol. Manu le djoum, l'abbaye nyokay def tisen place. Nege nyom, le Christa tan nan da, mbal le karistibi. Nouar le itam, yuwen ak mom, nyanal len, nyanal djapoti, nyanal adres isebou. Mangi gërëm ñëpp ñi ñëw jappalé ñu ndax ñu paré mëna suivre célébration bi yeen journaliste yi da leen jall barké seen liggéey ar leen itam ci lépp lu bon rawatina ci fébar bi lé ndax ngeen wéy di jotali mbolo mi célébration ci ñuy amal ci jàmm yi kon bangi tagu ak yeen mon ngeen ñibi be suba samedi ci walu demain la célébration est à 15h et bien sûr le samedi saint à 18h comme aujourd'hui. Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.